tous les players Varkai, tiens les manettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous donner toutes les nouvelles infos à propos du feu de camp de Fortnite. Le feu de camp sera un objet qui vous permettra de vous soigner, un peu comme les bandages ou encore les kits de soins. Donc les players, comme à chaque début de vidéo, on vise un objectif de pouces bleus. L'objectif de pouces bleus pour cette vidéo sera les 50 pouces bleus. Je compte sur vous les frérots pour cet objectif. Je sais que vous allez m'exploser cette barre de pouces bleus car vous êtes une communauté vraiment ultra sympathique. Le hashtag d'aujourd'hui les frérots sera le hashtag soins. Je compte sur vous les players pour mettre un maximum de hashtag soins dans les commentaires si vous aussi vous êtes impatient d'avoir le feu de camp sur Fortnite Battle Royale. Donc les players, sans plus tarder, je vous donne toutes ces infos à propos du feu de camp. C'est parti! Donc à propos de la date de sortie du feu de camp, on n'a pas encore de date précise. Mais Epic Games nous avait averti avec le petit message qu'il y a à chaque fois qu'il y a des nouveautés sur Fortnite Battle Royale que le feu de camp sortira dans cette semaine. Dans le courant de cette semaine, nous devrions avoir le feu de camp disponible sur Fortnite Battle Royale. Le feu de camp sera normalement un objet que l'on pourra transporter sur soi, mais pas comme des bandages ou une arme, mais plutôt comme un piège qu'il faudra poser au sol. Une fois le feu de camp posé au sol, il vous faudra de longues secondes pour retrouver votre vie. La régénération des PV sera assez lente, cela est fait exprès, car dans le cas contraire, les personnes possédant le feu de camp auront été carrément invincibles et les parties infinissables. Seules les personnes se trouvant à proximité du feu de camp pourront profiter de son soin, que ce soit votre personnage, vos alliés ou encore même vos ennemis, parce que la seule condition qu'il faut respecter pour être soigné grâce au feu de camp, c'est tout simplement d'être à une certaine distance. Cela veut dire s'il y a un ennemi qui approche de trop près du feu de camp, lui aussi, il bénéficiera du soin du feu de camp. On pourra aussi le détruire grâce à une arme ou une pioche, un peu comme un piège. D'après moi, je pense que le feu de camp aura une certaine durée de vie. Je pense à ça car dans le cas contraire, il y aura beaucoup trop de campeurs et les games seront des parties infinissables. Et pour finir, je vais vous montrer un petit aperçu à quoi va peut-être ressembler le feu de camp. Donc il faudra vous rendre à Loud Lake, sur une des îles va se trouver un petit coin de camping où l'on va trouver au milieu une sorte de feu de camp. Si l'on compare celui-ci avec l'image qu'on a reçue, on peut s'apercevoir qu'il ressemble à deux gouttes d'eau à l'image donnée par Epic Games. Donc je pense qu'il sera comme ça, une fois posé au sol. Seule différence, il y aura des flammes qui sortiront du feu de camp. Donc voilà les players, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce bleu en fin de vidéo si la vidéo t'a plu. On tente l'objectif des 50 pouces bleus les players. Merci à tous ceux qui le mettront. Et n'oubliez surtout pas le hashtag soin les players dans les commentaires pour me montrer que vous aussi, vous êtes hype pour ce nouveau feu de camp sur Fortnite. Bon, c'était Varky Gaming, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prenez soin de vous les players et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!